जय जनार्दना कृष्ण राधिका पते जन विमोचना कृष्ण जन्म मोचना जय जनार्दना कृष्ण राधिका पते जन विमोचना कृष्ण जन्म मोचना जय जनार्दना कृष्ण राधिका पते जन विमोचना कृष्ण जन्म मोचना जय जनार्दना कृष्ण राधिका पते जन विमोचना कृष्ण जन्म मोचना गरुड वाहना कृष्ण गोपिका पते नयन मोहना कृष्ण नीरज क्षणा सुजन वंदना कृष्ण सुंदरा कृते मदन कोमला कृष्ण माधवा हरे पशुपति पते कृष्ण वासवानुजा वरगुणा कृष्ण वैष्णव कृते मुरहरा विभो कृष्ण मुक्तिदायका सूर्य विमल पालका कृष्ण वल्लवा पते कमल लोचना कृष्ण कम्यदायका कृष्ण वल्लभी पते कमल लोचना कृष्ण कम्यदायका जय जनार्दना कृष्ण राधिका पते जन विमोचना कृष्ण जन्म मोचना जय जनार्दना कृष्ण राधिका पते जन विमोचना कृष्ण जन्म मोचना विमल गात्र ते कृष्ण भक्त वत्सला चरण पालवम कृष्ण करुण कुमरम विमल गात्र ते कृष्ण भक्त कुवलक्षणा कृष्ण कोमला कृते तव पदम्भुजं
Krishna Sharanamashraye Kumala Darshana Krishna Komala Krite Tava Padambuja Krishna Sharanamashraye Bhuvana Nayaka Krishna Pavana Krute Gunagano Dvaja Krishna Narilotana Bhuvana Nayaka Krishna Pavana Krute Pranavayavride Krishna Gunagalkara Dhamasarodhara Krishna Dinavatsala Pranayavaride Krishna Gunagalkara Dhamasarodhara Krishna Dinavatsala Jaya Janathana Krishna Radhikapate Jana Vimochana Krishna Janma Mochana Jaya Janardana Krishna Radhika Pate Jana Vimochana Krishna Janma Mochana Kama Sundara Krishna Pahi Sarvada Narakana Shayana Krishna Narashayaka Kama Sundara Krishna Pahi Sarvada Narakanashana Krishna Narashayaka Devaki Suta Krishna Dararambhude Kamsanashana Krishna Dwarakashita Devaki Suta Krishna Karnyambhude Kamsanashana Krishna Dwarakashita Pavana Nagaka Krishna Dehi Mangalam Svadapadam Bhujam Krishna Shama Komalam Pavanasaka Krishna Dehi Mangalam Svadapadam Bhujam Krishna Shama Komalam Bhaktavatsala Krishna Kamyadayaka Palinisenanu Krishna Shri Hari Namo Bhaktavatsala Krishna Kamyadayaka Krishna Shri Hari Namo Jaya Janathana Krishna Radhika Pate Jana Vimochana Krishna Janma Mochana Jaya Janathana Krishna Radhika Pate Jana Vimochana Krishna Janma Mochana Bhakta Dasana Krishna Harjune Sada Garuni Netana Krishna Salani Narayavibho Bhakta Dasana Krishna Arsune Sada Garuni Netana Krishna Salani Narayavibho Garuda Vahana Krishna Gopika Pate Nena Mohana Krishna Nirajakshana Garuda Vahana Krishna Gopika Pate Nena Mohana Krishna Nirajakshana Jai Janardana Krishna Radhika Pate Jana Vimochana Krishna Janma Mochana Jai Janardana Krishna Radhika Pate Jana Vimochana Krishna Janma Mochana Jai Janardana Krishna Radhika Pate Jana Vimochana Krishna Janma Mochana Jai Janardana Krishna Radhika Pate Garuda Vahana Krishna Gopika Pate Nena Mohana Krishna Nirajakshana Garuda Vahana Krishna Gopika Pate Nena Mohana Krishna Nirajakshana Jaya Janathana Krishna Radhika Pate Jaya Vimochana Krishna Janma Mochana Jaya Janathana Krishna Radhika Pate Jaya Vimochana Krishna Janma Mochana Jaya Janardana Krishna Radhika Pate Jaya Vimochana Krishna Janma Mochana Jaya Janardana Krishna Radhika Pate Jaya Vimochana Krishna Janma Mochana Jaya Vimochana Krishna Janma Mochana
sing one bhajan from Muruga, but I don't know much. Subramanyam Subramanyam Shanmuganatha Subramanyam 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 Shanmuganatha Subramanyam 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 Shanmuganatha Subramanyam Shiva 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 Subramanyam Hara 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 Subramanyam Shiva 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 Subramanyam Hara 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 Subramanyam Shiva 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 Subramanyam Hara 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 Subramanyam Shiva 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 Subramanyam Hara 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 Subramanyam Shiva Shiva Hara Hara Subramanyam Hara Hara Shiva Shiva Subramanyam Hara Shiva 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 Subramanyam Hara Hara Shiva Shiva Subramanyam Shiva Shiva Hara Hara Subramanyam Hara Hara Shiva Shiva Subramanyam Shiva Shiva Hara Hara Subramanyam Hara Hara Shiva Shiva Subramanyam 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 Shanmuganatha 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 Subramanyam Shiva 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 Subramanyam Hara 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 Subramanyam Shiva 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 Subramanyam Hara 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 Subramanyam Shiva Shiva Hara Hara Subramanyam Hara Hara Shiva Shiva Subramanyam Shiva 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 Hara Subramanyam Hara Hara Shiva Shiva Subramanyam Shiva Sharavana Bhava Subramanyam Guru Sharavana Bhava Subramanyam Shiva Sharavana Bhava Subramanyam Guru Sharavana Bhava Subramanyam Shiva Shiva Hara Hara Subramanyam Hara Hara Shiva Shiva Subramanyam Shiva Shiva Hara Hara Subramanyam Hara Hara Shiva Shiva Subramanyam Shiva Sharavana Bhava Subramanyam Guru Sharavana Bhava Subramanyam Shiva Sharavana Bhava Subramanyam Guru Sharavana Bhava Subramanyam 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 Shanmuganatha 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 Subramanyam Om Agnanam Timrandesya Jnanam Jana Shalakaya Chakshuru Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Yakunenda Tushara Dvajavala Yashuddha Vastra Amrita Yamina Varadanda Manditakara Yashweta Padmasana Yabrahmanchuta Shankara Pravritim Deve Sada Vandita Samam Patu Saraswati Bhagavati Buddhi Pradam Sharade Buddhi Pradam Sharade Ask your question.
Pose ta question. Ma question concerne Shiva Tattva. Nous approchons de la Shivaratri. Il y a de longues années, je lisais un livre et ce livre disait que la principale erreur de Kamsa et Ravana, c'était qu'ils vénéraient Shiva avec l'humeur comme si Shiva était Narayana himself, comme si c'était le suprême seigneur. Ils disaient que c'était leur principale erreur, parce qu'on devrait vénérer Shiva plutôt comme un dévot sincère, parce qu'il représente la destruction, il vient pour détruire. Voilà ma question. En fait, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que le Seigneur Shiva, bien sûr, il est le dévot ultime. Mais quand Shipuran et Parvati ont demandé au Seigneur Shiva sur qui il méditait, il a répondu sur le Seigneur Rama. Et Ram, quand Sita lui a demandé sur qui il méditait, et il dit, oh, je médite sur le Seigneur Shiva. Mais une étiquette sur le Seigneur Shiva, le Seigneur de la destruction. Mais quand on observe les qualités du Seigneur Shiva, quand on observe ses qualités, un de ses noms, c'est Bholenath, ce qui signifie innocent. Et le Seigneur Shiva a cette qualité d'innocence à l'intérieur de lui. Un dévot a cette qualité d'innocence. Parce que le mental du dévot n'est pas sujet à la fierté. Si vous n'avez pas de fierté, qu'est-ce qui va s'éveiller en vous ? L'humilité. Dans le chapitre 13 de la Bhagavad Gita, verset 8, que dit le Seigneur Krishna au sujet des qualités d'un dévot ? Qu'un dévot doit avoir. Il mentionne 9 qualités. D'abord, l'humilité. Deuxièmement, la modestie. Troisièmement, alors si tu ne sais pas, reste silencieux. La non-violence, on ne blesse personne. Ensuite, il dit la tolérance, le service à l'enseignant, la pureté, la droiture, la constance et le self-control. La pureté, c'est la propreté. C'est comme ça, il s'agit aussi des 9 formes de la dévotion. Elles sont complètement ces qualités dans le Seigneur Shiva lui-même. Quand on regarde l'humilité, il est si humble. Il est prêt à donner tout ce qu'il a aux gens qui le lui demandent. C'est un modèle d'humilité. La pureté. La modestie. Il est si modeste. Regardez-le. Il n'est pas attaché à quoi que ce soit à l'extérieur. Il se contrôle. Ses sens. Ses sens ne le contrôlent pas. C'est lui qui est en contrôle total. Il est constant, il a toujours son mental focalisé sur Sri Hari. Il est pur à l'intérieur. Grâce à cette innocence, il est pur à l'intérieur. And he is
Et il est non-violent. Il ne fait de mal à personne. Il accueille tout le monde. Narayana punit. Mais le Seigneur Shiva, même sachant que Kamsa et Ravana le vénèrent pour gagner quelque chose, ils veulent gagner quelque chose de matériel, et pourtant, il va donner de manière innocente. Quand il donne, quand un bhakta lui demande quelque chose, il donne de manière gratuite. Est-ce que c'est sa faute? Ça ne l'est pas. Ce que tu demandes est très important. Quand vous vénérez, cette conscience de ce que vous demandez, quel est le but de votre vénération, est très important. Si votre objet, si l'objectif est votre propre gloire, même vénérer les pieds d'Ashriyari, si votre mental est arrogant, si vous avez tant de fierté en vous, est-ce que vous allez l'atteindre? Mais non. Ce n'est pas ça. Le mental, leur mental, le but de ce qu'ils vénéraient, c'est ça qui les a rendus comme ils sont devenus. Parce que leur mental était complètement absorbé dans leur gloire. Et il y a beaucoup de gens comme ça aujourd'hui. Ils font beaucoup de vénération, comme dit Krishna. Hier, je disais dans le satsang, le Seigneur Krishna dit, comme ils ne me connaissent pas, je suis le seul à apprécier les sacrifices. Je suis l'unique seigneur des yagnas. Mais comme ils ne me connaissent pas, ils vénèrent d'autres devas. Et c'est pour ça qu'ils chutent. Comme je disais hier, la grandeur de Ravana est comme ça. Pour qui est-ce que le Seigneur descend pour tuer? Donnez-moi le nom de quelqu'un. Est-ce que Bhagavan s'incarne sur Terre pour tuer quelqu'un? Ils doivent être des dévots tellement grands, des dévots du Seigneur. Les dévots de mes dévots me sont très chers. Les dévots qui sont dévoués aux pieds de lotus du Seigneur. Les dévots des dévots me sont très chers. C'est pourquoi je dis, je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils disent. Très souvent, il faut voir dans quelle note ça a été écrit. Chacun va flatter son propre chemin, va dire, oui, nous sommes meilleurs. On ne devrait pas vénérer le Seigneur Shiva, car il est tamas. Mais ce sont les trois gunas qu'ils ont, les trois qualités, création, protection et destruction. Elles doivent aller ensemble. Et qui est au-dessus de tout ça? C'est le Seigneur lui-même qui crée ces trois qualités. Sans ces trois qualités, pensez-vous que la création pourrait se passer? Mais non. Sans destruction, la création ne pourrait pas continuer à créer. On ne pourrait pas vivre ici sur la Terre. Ces trois choses vont main dans la main. S'il y en a un qui manque, alors tout va s'écrouler. La création va s'écrouler, la protection, la préservation de tout l'univers va s'écrouler et la destruction va s'écrouler. Le Seigneur de la destruction. Mais que si il est là pourquoi le Seigneur Shiva? Il a détruit l'ego à l'intérieur de lui. Il n'a pas d'ego. Que peut-il donner? Juste cette sorte de destruction? La destruction du mental lui-même, de l'ego lui-même, de cette fierté. Il est là pour ça. Et bien sûr, beaucoup de gens ne veulent pas entendre ça, ne veulent pas écouter ça. Ils se focalisent sur l'aspect destructeur. Quand on regarde Kamsa
et Ravana, même s'ils étaient de grands amis, ils étaient des démons, mais, leur, mais ils vénéraient le Seigneur Shiva de manière exquise. Ravana était un grand pandit. Il avait tellement d'amour pour le Seigneur Shiva, il voulait le kidnapper et l'amener au Sri Lanka. Mais en voyant cette dévotion de Ravana, le Seigneur Shiva dit, « Ok, tu veux me prendre ? Alors vas-y, soulève-moi. » Shiva était dans les Himalayas, sur le mont Kailash. « Soulève-moi. » Il a mis ses mains dessous et ça fait trembler le mont Kailash. Et le Seigneur Shiva, juste avec un orteil touchant, et alors ensuite il a composé le Shiva Tanda. Et le Seigneur Shiva était tellement heureux, il l'a béni. Sans Ravana, Ram n'aurait pas incarné, ne se serait pas incarné. Sans Kamsa, Bhagavan Krishna ne serait pas venu. Comment aurions-nous eu de telles lila qu'il a fait à Vrindavan et Gokul si Kamsa n'était pas là? Ils avaient de mauvaises qualités, mais à l'intérieur de ces mauvaises qualités, ils avaient dans leur mental le Seigneur lui-même. Le dernier mot sur la bouche de Ravana était Ram. Le dernier mot et dernière image pour Kamsa était Krishna. Même s'il le prenait dans une humeur de méchanceté, mais Bhagavan lui-même est venu le libérer. Qui peut dire que Bhagavan a quitté Vaikuntha pour moi? Ils peuvent le dire. Même j'étais très méchant, mais ils sont venus pour moi. Est-ce que c'est considéré quelque chose de mauvais? Je ne pense pas. Parce qu'il ne vient pas pour libérer les gens mauvais comme ça. De manière indirecte, dans l'humeur, ils haïssaient Krishna et Rama, mais ils étaient élevés à la plateforme la plus haute. Bhagavan lui-même a marché sur eux. Il faut faire des pénitences pendant des milliers et des milliers de vies pour atteindre cela. Et ils l'ont obtenu si rapidement et si facilement. C'est l'objet de leur vénération, la dédication, le fait qu'ils étaient dédiés au Seigneur Shiva. Est-ce que Lord Shiva est en charge de cela? Non, il ne l'est pas. Il est prêt à donner. Il est prêt à donner ce qu'il a, cette dévotion qu'il a. Cette absorption intense du mental sur les pieds de Sri Hari. C'est ça qu'il a. Quelle était la cause de leur destruction? Eh bien, c'était la fierté. Quand la fierté grandit en vous, vous perdez le sens de ce qui est des choses les plus importantes. À cause de cette fierté dans le mental, même s'ils sont de grands, ils étaient très grands dans ce qu'ils faisaient, par exemple la vénération, cette fierté pour eux-mêmes les a détruits. À cause de leur fierté, ils sont devenus aveugles. Ils ne pouvaient pas voir. Ils ont oublié leur dévotion elle-même.
c'est pour ça qu'ils ont dû être détruits de cette façon. Ça prend le même niveau que Bhagavan lui-même. Imaginez comment le niveau d'avancement spirituel qu'ils avaient. Ils sont arrivés au même niveau qu'un avatar. Parce que personne ne peut se battre contre un avatar. Quand le Seigneur descend, ils descendent aussi avec les mêmes qualités. Donc ils doivent avoir atteint un très haut degré pour que Bhagavan lui-même vienne se battre. Sinon il aurait envoyé des devas ou des petits êtres pour aller se battre. Parce que ces êtres peuvent être forts aussi pour se battre. Ça signifie que ces soi-disant démons se sont élevés au même niveau qu'un avatar. Mais la différence, c'est que Bhagavan est plein d'humilité, alors qu'ils sont pleins de fierté. Donc pour leur rappeler ça, et il est venu. Et donc, s'il agit de cette façon, il est un destructeur aussi. Où sont les trois gunas alors? À l'intérieur de lui? Il est en contrôle de cela. Création, protection et destruction. C'est complètement sous son contrôle. Et Brahma et Vishnu Mahesh sont à l'intérieur de lui. Ils vivent à l'intérieur de lui. Donc quand la fierté grandit, mais c'est aussi à l'intérieur des dévots, quand la fierté grandit, le gourou apparaît. Le gourou n'apparaît pas juste pour donner du savoir, la connaissance aux gens. Le gourou apparaît aussi pour détruire cette fierté spirituelle. C'est une chose sur laquelle on doit être très... Il faut faire très attention sur le chemin spirituel. Parce que la fierté spirituelle, quand elle apparaît, on perd aussi toutes les belles choses qu'on a fait, toutes les bonnes choses qu'on a fait. Il y avait une fois, Guru Nanak Devji voyageait. Et le plus il voyageait, il donnait des discours, il parlait aux gens. Il y avait un prêteur d'argent. Il avait entendu parler de lui et de son enseignement. Il était impressionné. Il était captivé. Et il avait un seul vœu, c'était de le rencontrer. Rien d'autre. Après avoir voyagé, Guru Nanak Dev est venu à cet endroit. Quand il a entendu qu'il venait et qu'il donnait des initiations, il y avait des centaines de gens qui venaient pour être initiés, il a décidé qu'il devait aussi être initié. Il était très excité. Et il a pris un de ses amis, qui s'appelait Ramdas, et il l'a mené pour aller recevoir l'initiation de Guru Nanak Devji. Et sur le chemin, ils sont passés devant une maison close. Et Ramdas avait une prostituée très jolie. Et Ramdas a dit, va à ton satsang. Va voir Guru Nanak et je vais voir ma beauté là-haut. Et ainsi, tous les jours, ce prêteur d'argent disait à son ami, qui était aussi un prêteur d'argent, viens avec moi. Il disait non. Tout un mois est passé comme cela, en essayant de le convaincre. Et à la fin, ce prêteur d'argent, Ramdas, disait oui, tu pries toujours le satsang de ce gourou. Voyons, demain, ce qui peut en sortir de bon. C'est un défi. Tu vas à ton satsang, voir Guru Nanak Devji, et j'irai voir ma beauté, qui est là-bas. Tôt le matin, il est allé. Ramdas est allé voir la prostituée
Et le prêteur d'argent est allé voir Guru Nanak. Ramdas, quand il est allé voir la prostituée, c'était trop tôt. Elle était ailleurs. Alors il a décidé de s'asseoir, il jouait avec la terre en attendant. Il était un peu, il s'ennuyait. Alors il a joué avec un bâton, il creusait. Et pendant qu'il creusait, devant lui, la terre était très souple. Alors il a creusé un peu plus, plus profondément. Pourquoi est-ce que c'est si mou? Il était très étonné, il a trouvé une pièce en or. Il était si content, il a creusé encore plus et il a trouvé un pot qui était couvert. Il l'a ouvert. Il était très excité, il va y avoir des pièces d'or. Et quand il l'a ouvert, et c'était plein de charbon. Alors il était déçu. Il n'était pas très content avec lui-même, il était en colère avec lui-même. Ça aurait dû être plein d'or. Pendant ce temps-là, son ami écoutait Guru Nanak Devji dans son satsang, comment se purifier et comment sauver les gens. Alors pendant qu'il marchait, en revenant, il était en retard. Il était captivé par ce que Guru Nanak Devji avait dit. Mais il avait déjà dépassé l'heure à laquelle il devait se rencontrer à midi. Alors quand il est arrivé à l'endroit du rendez-vous, une épine est rentrée dans son pied et ça lui faisait mal. Ça lui faisait très mal. Il boitait, il est arrivé à l'endroit où il devait se rencontrer. Il boitait et pleurait de douleur. Quand son ami l'a vu, il a dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben, j'ai une épine dans mon pied. C'est cassé, elle est cassée à l'intérieur, c'est terrible. Et son ami a commencé à rire. Okay. Il dit, au moins, j'ai une pièce d'or. Il était très content. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Tu vois ce que ton satsang t'a prouvé. Regarde-moi, j'étais voir une prostituée et j'ai une pièce d'or. Et une pièce d'or, c'est mieux que rien. Et toi, qu'est-ce que tu as eu? De la douleur. Et bien sûr, le mental de cette personne a commencé à penser, mais pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Alors, ils ont décidé. C'était difficile pour eux de comprendre. Allons demander à Guru Maharaj, Guru Nanak Devji. Ils sont arrivés. Ils se sont inclinés et ils ont dit à Guru Nanak ce qui s'était passé. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Les bonnes choses sont arrivées à des gens méchants et des mauvaises choses arrivent aux gens gentils. Je vais écouter ton satsang et pourquoi j'ai de la douleur? Alors, il a souri, il a fermé les yeux, il a vu ce qui est arrivé. Il leur a expliqué. Ce qui est arrivé, c'est dû à vos punyas, vos mérites. Ramdas, toi, tu étais un homme très bon dans ta vie précédente. Tu as donné une pièce en or à un mendiant. Et dans cette vie, tu devais recevoir un pot plein de pièces d'or. Mais à cause des péchés dans cette vie, tu as reçu seulement une seule pièce d'or. Ce pot était plein de pièces d'or. Mais chaque péché que tu as fait, depuis le moment où tu as rencontré cette prostituée, chacune de ces pièces d'or s'est transformée en charbon. Mais cette dernière pièce d'or qui était là, que tu as trouvée, se serait aussi transformée en un morceau de charbon. Mais tu n'as pas péché aujourd'hui. À cause d'actes,
comme tu n'as pas péché, c'est resté de l'or. Et en se tournant vers l'autre prêteur d'argent, alors que toi, dans ta vie précédente, tu étais un monarque, un roi. Et tu étais très cruel. Tu as tué tellement de gens innocents. Mais dans cette vie, tu devais être torturé et pendu. Mais grâce à ton association avec le gourou et à avoir écouté les satsangs, au lieu d'être pendu et torturé, c'est venu à travers la forme d'une épine dans ton pied seulement. Vous voyez, si on en revient à ta question, ces grandes âmes qui descendent étant en tant qu'ennemis, parfois, ils choisissent d'être l'ennemi dans cette vie. Guru Kabir Dev pleurait un jour. On lui a demandé, pourquoi est-ce que tu pleures? Et une personne, l'ennemi, qui était toujours contre lui, il pleure pour lui, il est mort. Les disciples ont dit, mais c'est bien qu'il soit mort. Il a dit non. En fait, il balançait tout dans ma vie, il équilibrait tout dans ma vie. Alors que vous prenez juste, et lui, il prenait tous les péchés. Chaque fois qu'il était en colère avec moi ou qu'il parlait mal de moi, il prenait tous les péchés. Il enlevait tous les péchés de vous. Quand c'est comme ça, quand un avatar descend, Ram, Krishna, mais il y a aussi leur alter ego. Ils doivent être au même niveau pour se battre. Ils ne peuvent pas être d'un niveau inférieur. Et ces grandes âmes avaient un dernier pas à faire pour que Bhagavan lui-même vienne et les libère. Merci d'être mon gourou et d'éclairer les ténèbres. Et c'est intéressant aussi parce que tu as répondu à la première question. Pourquoi est-ce que c'est important d'écouter des satsangs? Sans satsang, le mental ne change pas. C'est pourquoi, au début, j'ai dit aux gens, combien d'entre vous écoutent des satsangs? Seulement 3 personnes ont levé la main. C'est dommage. Si vous n'écoutez pas de satsang, vous ne comprendrez pas. C'est seulement en écoutant des satsangs que la transformation peut s'opérer. Jagradev. Arati. Chakra
Tameva, Tameva, Bandhu, Chasakata, Meva, Tameva.
Om namo bhagavate mahasudarshanai dipti jvalapritai shvarati shambhala humpat prasmai parabrahmane prajudishe swaha.